Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Alors aujourd'hui on est samedi, je suis en retard. Enfin je suis pas en retard mais je sais pas combien de temps je vais mettre pour y aller. Donc là on est à Paris toujours, je vais à l'événement CADOM. Et donc du coup il y a une première partie de 11h à midi pour les blogueurs tout seuls. Enfin blogueurs influenceurs tout seuls. Et après nos familles, après il y a un événement cet après-midi où les familles viennent et c'est un truc familial. Donc là je vais y aller sans Nico et Ella maintenant. Et eux ils vont me rejoindre en Uber vers midi et demi pour aller après à l'événement tous ensemble. Et madame est encore en pyjama. Du coup je me suis speedée mais là ouais, il faut que je parte maintenant. Il pleut des cordes, je sais pas comment je vais faire, j'ai pas de parapluie. C'est un peu la galère. Bon, je viens d'arriver à l'événement, je vais attendre Becca qui devrait arriver d'ici un instant. Ça a l'air pas mal. Donc là, c'est le. Ils accueillent les blogueuses, enfin les influenceurs, pour nous informer avant l'ouverture. Mais après cet après-midi, il y aura un événement et là, ils sont en train de tout installer. Ça a l'air super joli. Les enfants arrivés ici à la départ, et quand vous les voyez au bout d'un mois et demi, je vous dis, ils ont pris 3 kilos, ils sont en général, ils arrivent avec des tongs, des t-shirts, ça fait comme jamais. Ils ont une énorme valise parce que c'est pour être joué à jouer, machin. Et très souvent d'ailleurs, les familles gardent des contacts. Terminé la petite réunion briefing, enfin de explicatif, tout ça. Nico nous a rejoint, oui. Et là aussi. Et elle est contente, il y a plein d'enfants parce que du coup il y a plein de blogueuses et d'influenceurs avec leurs enfants. Et l'événement il va commencer après là, on passe à table, on va manger. Et puis après, on va faire la fête après. C'est Eliora, tu la reconnais? Et là on se met pas tous nus. Oh les bisous! Oh les bisous! Oh les bisous! Maintenant on va descendre découvrir la rigoladerie. Je sais pas si vous m'entendez parce qu'il y a beaucoup de bruit. On va descendre voir un peu toutes les animations qu'il y a. C'est parti hein. Donc aujourd'hui il y a l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque qui est là pour parce qu'ils sont en collaboration avec CADOM. Ils travaillent beaucoup avec CADOM, ils sont en partie financés par CADOM. Et on nous a parlé de cette association et ça m'a beaucoup touchée. Je vous en reparlerai plus tard quand on sera plus au calme parce que bah, y a des choses à faire pour cette association et c'est vrai que c'est super important, donc ça je vous en parlerai tout à l'heure. Donc là on a un petit stand de décoration. Bonjour, c'est tout mignon. C'est un des décos de cupcake, je pense.
So why you keep playing, boy? Walking around like you're some kind of star, yeah. You're talking sweet, pulling strings, but I know there's always something up your sleeve. So I won't listen to a word you speak anymore, oh no. Cause you only bring me retour à l'appartement. On s'est promené un petit peu, on a quitté assez tôt la rigoladerie. On est resté un petit moment, mais vu que c'était l'heure de la sieste, on est parti. Nico, il voulait absolument passer à la pâtisserie de Michalak. Comme vous avez pu le voir, je vous ai montré. C'est quand je voulais vous voir, comme vous avez pu le voir dans les images. Mais là, du coup, on est retourné à l'appart, on a mis Ella au lit et regardez tout ce qu'on a acheté chez Michalak. Je vais vous montrer. Alors, Nico est complètement fan de Michalak, un de ses pâtissiers préférés. Ouais. Donc ça, c'est ce qu'ils m'ont donné à la rigoladerie. Du coup, je l'ai mis sur la photo. Je fais une photo pour Insta pour Nico. Donc il a acheté du chocolat, ça y est ça? Ouais, ça c'est une claquette en chocolat. Et ça c'est une cassette en chocolat. Ça c'est une cassette en chocolat. Des jus. Ouais, on a acheté des jus fruits de la passion. De la... Une confiture. Confiture framboise rose. Ouais, ça c'est pour la maison. On a acheté ça, c'est un peu ses spécialités, c'est ouais, de... Ça s'appelle des cosmiques. Ouais. Ouais, c'est des espèces de... Moi de je ferai un baba... passion. Orange. Orange passion. Orange passion. Ouais, et moi j'ai pris un... Non, orange mangue je crois. Non, passion, toi, il y avait marqué. Et moi j'ai acheté un Paris-Brest. Paris-Brest. Une religieuse à la vanille. Ça je vais goûter ce que c'est, ouais. Mon gâteau préféré. C'est celle du moment. Ouais, super, il y a des super trucs de Saint-Valentin. Ça a l'air trop bon, on va pas tout manger maintenant. Hein. Nico, on va voir. T'as pas le chocolat. Pas le chocolat, on le ramène. Ouais. Et moi j'ai des petits cadeaux aussi. Hop, j'ai Cadom. Donc c'est la rigoladerie, c'était organisé par Cadom. Il y avait aussi Magique Maman, enfin c'était plein de trucs. Et hop, j'ai un magazine Magique Maman et Family Magique Maman. C'est cool. Parce que je sais pas du tout, ça c'est la photo qu'on a faite. C'était après sur Insta. La photo qu'on a faite, c'était cool. J'ai eu. C'est pour ça qu'ils m'ont offert une plante à l'aloe vera. Parce que leur nouvelle collection. Leur nouvelle collection est à l'aloe vera. Donc là, ils m'ont offert le lait pour le corps. Il sent super bon. On l'a senti, on l'a mis sur nos mains. J'avais la main toute douce après. Donc ça, c'est cool. Ensuite. Le gel douche de la même collection, donc je pense qu'ils m'ont mis toute la nouvelle collection peut-être. Crème protectrice bébé Cadom, crème hydratante. Ensuite ils m'ont mis ça, je sais pas ce que c'est, un petit porte-clés, les rubans solidaires initiative.fr, ça doit être une association, c'est un petit porte-clés Paris. Ah voilà, c'est avec mécénat, chirurgie cardiaque. Donc ça c'est super. En huile merveilleuse. Massage, bain et corps et cheveux de chez Uekadom. Donc ça c'est bien aussi, je vais tester. Moi j'utilise pas trop de talc, mais bon, on verra si ça me sert. Donc voilà, petits produits, petits cadeaux du jour. C'était vraiment cool. Bon ça y est, on a fait notre pause. Là il est 18h, on a bien mangé, c'était bon hein, bébé. On a bien mangé les gâteaux de chez Mickey Chalak. Ouais. Enfin, on a trop mangé. On a trop mangé. On a tout mangé. Enfin, moi j'avais pas mangé à midi, donc c'est pas grave. Et Nico, c'est un mec tellement mince que c'est pas grave non plus. Mais là, on va aller manger chez Becca ce soir, donc on va y aller en métro. Donc on va partir maintenant, parce que je sais pas du tout combien de temps on va mettre. Petite mademoiselle est en train de nous révolutionner toute la maison, donc elle a retourné tout ce qu'il y avait dans la valise là. Et là, maintenant, elle prend tous les sacs qu'on a eus. T'es prête, on y va? T'as pris ton sac? So why you keep playing, boy? Walking around like you're some kid. Donc ça y est, on est arrivé chez Becca, on a pris le métro et on s'en est sorti. Et c'était, ça va, franchement c'était bien. Ça fait vite, et du coup les petites puces elles jouent ensemble, elles sont trop mignonnes. Elles sont de la même taille, elles sont trop mignonnes, elles tiennent par la main et tout. Imagine. I am gonna fly. You're gonna be loved.
Je vous retrouve que maintenant. Il est 1h du matin, on est rentré à l'appart, j'ai encore mon huile sous les yeux. C'est trop bizarre. On a passé une super soirée chez Becca. Je parle doucement parce que Nico est là, dorme. Donc je voudrais pas les réveiller. Moi j'ai monté mon vlog à Disney. Et du coup, je vais aller me coucher. On a passé une trop bonne soirée. Eleora et Ella, elles ont beaucoup joué ensemble. Elles étaient vraiment trop mignonnes. C'est vraiment cool. Donc voilà, on va aller se coucher. Et demain on met pas de réveil. On va dormir un peu. Parce que demain c'est le dernier jour à Paris. Mais on va traîner un peu, je pense. Et voilà, on va sûrement aller passer voir Roxane, Alex et Mila demain après, mais on verra. Enfin voilà, je vais vous laisser. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne principale si vous suivez mes vlogs, parce que maintenant c'est sur ma chaîne principale que ça se passe. Si jamais vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous et activez la petite cloche, comme ça vous louperez aucun de mes vlogs. Et j'espère que ce vlog vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau vlog. Ciao. Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui, on va à Disney.